Je suis le point de départ et d'arrivée de toute chose. Ancré au cœur de la cité, tout le monde me connaît. Je suis le port de Lyon. Vous me voyez comme ça, allongé tranquillement au bord du Rhône sur ma plateforme multimodale. Mais je travaille 365 jours par an. J'ai même plutôt le physique de l'emploi, avec mes bras grands ouverts sur l'Europe et sur le monde. Ma zone d'activité industrielle, mes dépôts pétroliers et mes terminaux de manutention de conteneurs. Je représente pas moins de 1500 emplois directs et indirects. C'est pas rien. J'y suis pour beaucoup si les entreprises de Lyon et de la région peuvent choisir le meilleur mode de transport pour l'importation et l'exportation de leurs marchandises. Que ce soit par voie fluviale, fluvio-maritime, ferroviaire, oléoduc et par route pour la desserte des derniers kilomètres. Je suis la tête de pont d'un grand réseau qui s'étend sur le Rhône et la Saône, jusqu'à la Méditerranée. J'ai l'art de me transporter partout pour répondre à tous les besoins. Un coup de chapeau au passage à mon gestionnaire CNR qui veille sur moi et la sécurité des navigants, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Suivez-moi, je vais vous montrer comment je suis équipé et organisé pour déplacer des montagnes. Les marchandises de toutes sortes arrivent ou repartent par bateau, par train ou par camion. Tout se passe ici. Je suis la plaque tournante entre fleuve et terre, route et chemin de fer, mer et continent. Je vous accueille à bon port pour aménager votre propre site sur mes quais. La location d'une parcelle viabilisée vous permet de bénéficier de la situation stratégique et du dynamisme économique de la deuxième agglomération française. Tout est prévu pour vous offrir un cadre de vie agréable. Je suis un point de rendez-vous incontournable à Lyon pour la mobilité verte. Mon objectif est de réduire le transport routier et les nuisances associées, le bruit, la pollution, en cherchant à satisfaire tout le monde. Et ici, on n'a pas peur d'innover pour préparer le futur. En plus de la déchetterie fluviale Rivertree de la métropole de Lyon, menée en partenariat avec VNF, CFT et Suez, le Quai des Énergies sera bientôt ouvert à tous les Lyonnais qui veulent participer à la transition énergétique. Quant aux navigants, ils disposent de tous les services nécessaires et même d'un centre de formation, équipé d'un simulateur de navigation unique en Europe. Vous voyez, je rends de nombreux services et tout le monde s'y retrouve. Élise repasse ses leçons tous les jours et ne manque de rien pour travailler à l'école. Déborah s'est fait plaisir avec un écran plat qu'elle a acheté près de chez elle. Le maçon a pu finir les travaux chez Jules et Fatou avant l'arrivée du petit Léon. Quant à Bastien, il a porté tous les vieux trucs à la déchetterie pour faire la chambre des garçons. Si on réfléchit bien, tout passe par moi. Ça vous dirait un petit tour en péniche jusqu'à Marseille? Ok, on y va. Attention, je vous préviens, c'est silencieux, écologique, économe en énergie, sans embouteillage. Bienvenue à bord. Maintenant, chaque fois que vous verrez passer un bateau sur le Rhône ou la Saône, comme Déborah ou Bastien, vous penserez à moi. Et quand vous passerez devant le port de Lyon, vous ne me verrez plus tout à fait pareil. Port de Lyon, ancré dans l'avenir.